Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 17 ans, je suis actuellement en mention complémentaire pâtisserie. Je fais de la pâtisserie, de la glacerie, de la chocolaterie et de la confiserie. Dans notre formation, nous avons des cours pratiques sous 2 jours qui sont avec un professeur en laboratoire. Nous avons des cours théoriques en art appliqué, en connaissance de l'entreprise et en technologie pâtisserie. Donc en mention complémentaire pâtisserie, je fais une semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un lien très fort entre les formateurs et les apprentis. En cas de problème, on peut se joindre à eux et on sera dans tous les cas aidé, que ce soit professionnellement, que ce soit pour une entreprise, quoi que ce soit. Ils sont toujours là pour nous et je trouve que c'est quelque chose qui est assez beaucoup mis en valeur au CEPROC, contrairement à peut-être d'autres écoles ou contrairement en voie générale. Donc, c'est une école qui évolue et qui regroupe bien tout ce qui est rangement, laboratoire, salle de classe. Tout est bien organisé et on s'y sent plutôt à l'aise. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la pâtisserie. Je l'ai fait avec la famille. J'ai vu à la télé des émissions de pâtisserie, des livres de pâtisserie. Et je me suis tourné du coup complètement vers la pâtisserie. J'ai choisi la mention complémentaire pâtisserie parce que j'avais déjà commencé un CAP 2 ans au CEPROC. J'ai voulu continuer mon parcours tout en étant rémunéré à mon âge et tout en progressant en la matière. Donc avec un CAP et une mention complémentaire en poche, on a les bonnes bases d'un pâtissier et on peut évidemment voir plus loin.